Merde. Rejoignez le bassin. Embarquez dans la navette. Rejoignez Compass 2. Embarquez dans un véhicule d'évacuation. Putain, faut aller à Compass 2. Putain, ça fait vraiment très soma quand même. On doit se balader de complexe en complexe. Ah, c'est les fusées, je pense que c'est de l'oxygène. Je suis à 20... Oh, putain, je suis à 27. Reaching the surface was off the table, physically or otherwise. So it's simple. Hitch a sub to Compass 2 and hope others did the same. Ok, est-ce qu'il y a l'oxygène par là? Oui. Parfait. On va pouvoir se recharger complètement. Je vais juste d'abord faire un tour. Voilà, je pourrais pas faire grand chose. Accéder au serveur pour désactivation. Au serveur de quoi? Oh, bordel à cul. Il n'y a pas d'identifiant sur lui ou... J'ai bien l'impression qu'il s'agit de... lui là. Récupérer son identification à lui. Normally, the habs are lit up top to bottom, all the time. A lot of the gear was waterproof. Some of the lights and monitors were still running. D'accord. So it wasn't dark, but it's fading. Like the whole thing's on life support. Oh bordel de merde. Encore me faire défoncer par un putain de poulpe. Hello to you, motherfucker. Lui s'est fait bouffer, je pense. T'as dû te prendre l'oxygène après m'être fighté contre le poulpe. Bon, en tout cas, ça s'ouvre pas. Accéder au serveur pour désactivation, sérieux. Faut que je repasse par là, du coup, j'imagine. Moi, il y a un téléphone qui sonne. C'est quoi ce bordel? Il y a un téléphone qui sonne. Il sonne où? Là-bas? Non, ça c'est les chiottes. Ah, c'est celui-là? C'est sans hallucination là. Ah putain! L'hallucination ou l'ennemi? Ou peut-être les deux du coup. Hein. Quand il pleut. Cherche les quoi? Les arcs-en-ciel, et quand il fait noir, cherche les étoiles. C'est beau. C'est
cette fois-ci, j'ai l'impression que tout est ouvert maintenant. Don't look back. Ah, ta mère, la pute. Rien de neuf ici, ok, rien de plus. Bouge. Ah putain. Ça marque quoi dessus? Please wake me up, s'il vous plaît, réveillez-moi. Ok, j'ai plus 50% d'oxygène. Honor code. Tiens, on a les membres de l'équipage. Enfin, de l'équipage. Lol. De l'équipe de dev, j'ai l'impression. Les voici. Anthologie album. Lol. Comme si c'était un groupe de musique. Ça se trouve, peut-être, ils jouent de la musique. Hein. Allez savoir. Pas grand chose ici, il y a quand même une bouteille d'oxygène. Ouh, elle va bien recharger celle-là. Et il n'y avait pas ça tout à l'heure, on avait une bibliothèque. Et là on a... Je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est les douches. Je dis on dirait pas d'autres douches inversées mais... C'est vraiment les douches. It's relentless. I mean, the isolation is unnatural. Little problems start to spiral. Any baggage you don't check at the surface comes unpacked pretty quick. Some find ways to cope, others struggle. Wait. Et quoi par là-bas? Là, je peux pas y aller. Ça sert à rien d'y aller, je pense. Hein. Non, ça sert à rien. Ok, donc c'est bien par là. Wrong skin. John Leto, Legacy Tour. Docteur Von Knock. Ok. Iron Lion, lol. Les gars ont eu des références musicales partout, quoi. Il y a quoi par là? Pas grand chose, hein. J'ai l'air de pouvoir sortir par là. Dead, bro? Oui. User Stella.
13 mai 88. Opérateur de plateforme. Du Ghana. User devait être à proximité de Compass 1 lorsque la lame de fond a frappé. Dérouté, probablement, contraint de passer par les canalisations pour rejoindre la base. C'est dur d'imaginer que quelque chose ait pu perforer son scaphandre de part en part. La faune locale est habituellement paisible, déconcertant. Toute la chaleur et les secousses dégagées par la base font bouillonner l'endroit. Et pour survivre dans ces conditions, il faut être, en tant que visiteur, aussi courtois que le sont les habitants, c'est-à-dire pas du tout. Non, une pipe. Allez. Watching life go by inside the bubble is cruel. The ones that care get a head start learning to live without you. So the grief comes first, whether or not you're really gone. Alors j'aurais aimé que l'ennemi ne m'attaque pas pendant que le texte était affiché, parce que j'ai pas pu faire les deux en même temps, savoir me battre et... Putain, je sais pas où je vais là. Je descends, mais... C'est encore un cadavre. Là, on va me dire qu'il va falloir accéder au serveur. Là, ça va être une recharge de... Réinitialiser le circuit. Ah d'accord, ok. On va faire ça. Ah putain! Putain! Ta gueule, saloperie de merde! 46% d'oxygène, c'est parfait. Tyson Lyle. 15 juin 86. Tiens, il est né exactement le même jour que moi, mais à 3 ans d'écart. Ingénieur. Nationalité. C'est quoi cette nationalité, là? Je ne saurais pas dire. Là, il était petit, de sa taille. De taille, pardon. Il est toujours de bon poil, fidèle à sa réputation. Impossible de dire s'il s'est noyé ou s'il est mort de la chute. Ou quelque chose d'autre. Par 2000 mètres de fond, même avec tant de choses qui peuvent mal tourner, on n'imagine pas mourir noyé. Restaurer le courant pour activer l'ascenseur. Ok. Il y a un qui a essayé de défoncer là. La vitre, j'ai l'impression. Il y a de la lumière. Et ça, par contre, j'ai toujours rien là-dessus. Ok. Oh, bordel de merde! Depuis quand ça pète les vitres, les poissons lanternes, bordel? I've seen death before, but not like this. Up here, the impact's usually more abstract. This is intimate. It's like when you pass an accident on the freeway. All the possibilities run wild. But then a song you like comes on, or your exit's coming up, and you've moved on. Back to normal. Je pense qu'il y a le fait que tu sois, on soit pas impliqué dans l'accident. Qui, d'accord, ok, putain, on est là. La vache. Je pense qu'il y a le fait qu'on soit pas impliqué nous-mêmes directement qui fait qu'on est on s'en passe nécessairement concerné par ce genre de choses. On peut pas s'empêcher d'imaginer être à la place des gens qu'on voit. Je reparle de la de l'image dont il parlait avec l'accident sur le côté de la route.
Il suffit qu'il y ait une chanson qui passe pour qu'on tout revienne à la normale et qu'on fasse autre chose. Et je pense qu'il n'y a pas que le fait qu'on soit pas concerné, c'est surtout en fait qu'on n'a pas envie d'y penser. Je pense qu'inconsciemment, on rejette l'idée. Putain, ils nous ont fait des petits post-it. Excellent. On rejette l'idée même d'être d'être à la place des gens qui sont bah, qui ont eu l'accident quoi. Alors je peux pas passer là-bas. Il va falloir que j'ouvre. Bah si je peux y aller là. Je pensais que je pouvais pas ouvrir la porte ici. Ah, et l'oxygène. J'ai dû attendre avant de le prendre parce que là bon. Toujours les mêmes instructions. Rien de neuf par ici. Fix me, réparez-moi. Qu'est-ce que je suis venu foutre ici? Je suis venu de cette porte qui est là. Un truc que j'ai pas vu là-dedans. Qu'est-ce que je suis venu branler ici? On est d'accord que là c'est là d'où je viens, cette grande porte ronde là. Ah mais une autre porte au bout, je l'avais pas vue! Server room, et ben voilà! Parfait! Des bons serveurs waterproof. IP 55-55. C'est quoi, c'est des grenades ça ou quoi? J'ai l'impression. Bon, j'ai déverrouillé les portes de sécurité. Ah putain de merde. Shit. Que dalle. Comment je grimpe moi? Faut que je grimpe sur les tables? Je pense que c'est ça hein. Putain. Faut que j'aille là-bas. Aïe aïe aïe, comment je vais faire? Comme ça. Hop. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, 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 non! Oh la poisse! Avance, avance, voilà, hop, allez. Ah, j'avais plus que 20%, je suis remonté à 48. Pourquoi? Je pense que le jeu a été magnanime.
Et c'est dit, tu galères, ce serait con que tu crèves. Ah, je vois pas trop, est-ce qu'il y a un endroit où je peux me poser là? Putain, attendez. Putain, j'ai cru que c'était un putain de pôle. Parce que là, je vois rien là, je sais pas où je vais. Faut que je fasse marche arrière. Là, j'ai vraiment du mal à voir où je peux me poser. Attendez, je me rapproche de l'écran pour voir mieux. Je vois qu'il y a une espèce de distributeur là. Bon. Eh merde, putain! Je me suis pris une lampe dans la gueule. Je vais y arriver, hein. Oh putain, mais non! J'ai pas fait gaffe à ma... Oh, ça me saoule. Ça me saoule déjà. Allez, avance, 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 avance. J'ai été trop rapide, trop pressé. J'ai l'air de pouvoir avancer jusque là. Il y a un truc là, je peux poser là. Mais d'accord, je peux pas me poser, d'accord.